Bonsoir. On en était où? Samedi? Ah oui, c'était le matin. On n'avait pas le temps d'aller faire autre chose parce que c'était la fin du live la dernière fois. On avait dit qu'on allait à Soulani ou... Ouais, à Soulani, je pense que c'est un bon deal, ça fait longtemps. Pour aller creuser des trucs. À deux, peut-être qu'ils trouveront des machins. Il faut que Zéphyr mange, première chose. Faire pipi et prendre une petite douche, comme ça on est paré pour partir. Tricote, hein, j'ai envie de dire. Parce que du coup, elle va aller désherber et arroser. Comme ça, au moins, sa compétence monte. Niveau 3, on va pouvoir fertiliser. Aime le jardinage, oui, vaut mieux, oui. Un peu mon neveu. Oh putain, elle va tout arroser. Alors non, peut-être pas. On va faire ça en rentrant. Parce qu'il faut qu'on aille à Soulani, en fait. Hein. Et bah, vous allez creuser, tous les deux. Chercher des déchets sur la plage ensemble, on peut faire en plus. Trop bien. On va faire. On va pas faire ça, on va faire chacun son truc. Voilà. Parce qu'en groupe, là, ça va me casser les roubignoles. Hein. Marcel Price, qu'est-ce qu'il veut? Prisha et moi venons de passer un excellent moment ensemble. Merci pour tes conseils. Bah, de rien, bro. Les doigts de Soulani. Oh! Non, mais continue! C'est infernal que ce soit pas en continu, hein, vraiment. C'en est un nouveau en plus. Ah, 130. Bon, tant pis. Allez, continuez. Là, vous êtes parti sur un bon lancer. Et quand je dis ça, il s'arrête. C'est logique. Tu vas la faire passer jeune adulte un jour ou elle va rester ado à jamais? Je pense que là, on va la laisser ado pendant un moment, ouais. Vu qu'elle a pas eu autant de jours pour les tranches d'âge précédentes. Jouer dragon redoutable. Je pense qu'on va la laisser un moment comme ça, ouais. 220, ça vaut plus que les trucs de Soulani, sérieux. L'interaction unique à chaque fois, c'est relou. Mais ouais, mais en plus, c'est con parce qu'il y a des fois où ils le font par eux-mêmes à la suite. Et des fois, tu comprends pas pourquoi, juste, bah, c'est une fois. Un bol de chips, bah, c'est bien. Les yeux de Soulani, c'est des bons yeux ou pas? Ah, elle aussi. 50, 90, putain, c'est nul. On va rentrer. Le plus chiant avec le fouillage de plage, c'est que tu peux pas en mettre dans la file d'attente, c'est un par un, c'est ça. Pourquoi elle est effrayée? Parce qu'elle a peur du noir. Elle a peur du noir alors que nous avons viré les peurs et envies. Bah, c'est pas juste elle a peur du noir alors qu'on a viré les peurs. C'est qu'elle a peur du noir alors qu'elle a passé l'intégralité de sa vie avec la lumière allumée. C'est surtout ça, quoi. Tu ne gagnes pas plus à Selvadorada. Ça dépend totalement de la chance de ce sur quoi tu tombes. En fait, le problème, c'est que Selvadorada, t'as plus de chances de trouver des trucs de valeur. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps et c'est que c'est pas optimal, quoi. Alors que bah, Soulani, t'y passes normalement moins de temps, t'as des chances de trouver des trucs, et si tu tombes sur des bons trucs, pour le coup, c'est vrai que ça vaut assez cher, mais voilà, c'est moins... Enfin, comment dire, Soulani, c'est plus redondant, mais moins chiant dans la globalité, on va dire. Et puis, il faut tomber sur un temple, voilà, c'est ça. Et puis, ouais, Selvadorada, t'as tout ce qui est malédiction aussi. C'est faut que tu planifies ton voyage, que tu achètes beaucoup de matos pour être sûr de voilà d'assurer. Faut que tu tombes pas sur des malédictions et que tu aies la chance de tomber sur des trucs qui valent cher. Alors, par contre, quand tu tombes sur les trucs qui valent cher, ça vaut bien plus le coup qu'à Soulani, oui, effectivement. Alors, attends, du coup, toi, tu vas continuer ton tricot. Il est à peine 22 h. Divertissement. Oh, bah, c'est bien monté, ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je lui change son ordi parce qu'on est censé avoir gagné un super ordi avec le boulot. Tu vas envoyer des SMS pour remonter un petit peu ton social déjà. Voilà, et après tu vas être couché. Ok, il a presque fini. Je vais lui laisser terminer. Alors attends. Oh non, non, mais non, non, bah non, non, bah non. Non, à ce stade de sa vie, non, bah non. C'est vrai que très naïvement, de ma part, dirais-je, je pense que mon cerveau, quelque part, s'est dit, ça y est, il a été enlevé deux fois. La deuxième fois, il est revenu avec un bébé. Voilà, cette étape-là, c'est fait, c'est fini. Je sais pas pourquoi. Ok, c'est bon. On remballe. Non, non, bah non, mais il peut continuer, hein, y a pas de souci. Allez, bon voyage. Et l'autre, elle dort, elle se doute de rien, c'est magnifique. Oui, c'est ça, on a eu un ordi. Ah oh bah, ça va bien lui correspondre, ça, tiens. Du coup, on va pouvoir vendre celui-là, récupérer la thune et plutôt lui mettre ce super truc. En plus, il est enjôleur. Mais pourquoi tu fais ça, bro? Pourquoi est-ce que faire un tricot stylé, ça te rend heureux et enjôleur? Manger de la nourriture aussi, c'est quoi la vanne? Bon, alors moi, ce que je voulais faire, réussite. Trois fois. Ah bah oui. Tiens. Mettre en vente sur Plopsy et après, va dormir, oui. Effectivement. Il serait temps, c'est 2 h du mat. Heureusement, c'est le Vicande. Insecticide. Ouh, ça pousse, ça pousse! Bon, c'est toujours Zéphyr qui va tout récolter parce que du coup, c'est de lui qu'on vend tout d'un coup, c'est plus pratique. Il faut que tu remettes du coup en vente ça. On va manger un petit truc et puis après, on retourne à Soulani du coup. Bah ben voilà, nickel. Oh, il a eu une idée. Ok. Il faut que je la fasse peindre aussi. Pourquoi arrêter de se faire enlever et perdre la possibilité d'avoir un autre bébé alien? Mais il a pas eu de notif depuis, hein. Enfin, il n'y a pas eu de truc bizarre, hein. Quelqu'un fait ressortir le meilleur. Non, pour l'instant, il a pas de truc chelou, hein. Ah bah là, elle continue toute seule. Vous voyez? N'importe quoi. Ah, là, elle s'arrête. Les doigts de Soulani. Alors, t'as quelle version? 100. On va dire que c'est déjà mieux. Pourquoi elle fait plus rien? Non, non, mais on continue.
On les laisse les autres, on s'en fout. Revenez là. Ah, ils sont bien comme ça. On fait une photo de derrière. Poupée vaudou. Ah, ça c'est bien, ça vaut cher. Ça vaut quoi, 800, 900, 950. Ça c'est bien. C'est plus intéressant que les trucs de Soulani finalement. Oh, cœur de Soulani. Une truite, on s'en fout de ça. 265, il y a du mieux. Les doigts de Soulani. 385, il y a du mieux. Suffisait de rouspéter un peu. Reviens, quelle heure il est, 18h43, ok. Les doigts de Soulani, 130. C'est mieux aujourd'hui qu'hier. Hein. C'était plutôt efficace quand même comme journée. Ouh, on peut fertiliser. Attention, avant de les jeter, je vais lui donner les poissons. Ça pourra servir pour fertiliser. Mais t'en as qu'un. Je vais te donner quelques persils. Qui nous donne 1381 en plus. Ah non, il y a ça aussi. Hop, 1481, dirais-je plutôt. Et toi, on va pouvoir vendre ça, ça. 955. Ok, on vient de passer 130 000. Il a pas eu de moodlet, hein, rien du tout. Donc c'est bon, cette fois, il s'est pas fait engrosser. Un petit pipi, tu vas pouvoir tout récolter. Ouh, ça, ça va valoir cher, c'est bien ça. Un tricot en avance, peut-être. J'allais dire, mais pourquoi est-ce qu'il a toujours que des bonnets à faire? Bah oui, il a pas de compétences, il peut pas aller plus loin, fatalement. Ceci dit, maintenant, on a les éléments. Donc s'il nous demande, ce qu'il va nous redemander à un moment, c'est sûr, de créer la génératrice à trous de verre, on va pouvoir normalement. Faut les faire s'asseoir, les transformer. Ah non, faut améliorer, faut pas transformer les cimes, faut améliorer le rayon pour faire transformer. Je suis con. À chaque fois, je dis à moitié celle-là. Il est où le rayon cime? Là. Améliorer, transformer en cime. Transformer l'apparence d'un collègue. Ah, c'était ça. Alors attends. Ça change les fringues? Je comprends pas ce que ça a changé. Il a pas le même nez? Qu'est-ce que... Je sais pas. Améliorer la génératrice de trous de verre pour visiter le monde extraterrestre. Ah, il me demande plus de la créer. Il a oublié qu'on l'avait pas créée. Bon, on va l'inventer avant de l'améliorer. On peut! Ok, ça y est, c'est fait. Maintenant, il faut l'améliorer. Je vais la mettre là où je la mets à chaque fois, c'est-à-dire ici. Faut changer les tenues. Oh, Ripley a eu un A. Super. Alors, ça nous fait déjà atteindre le deuxième niveau. Contacter les extraterrestres, ça on peut faire. Ok. Transformer l'apparence d'un collègue. Et ben, on va faire ça pour finir la journée. Ça, c'est très bien. Transformer. Alors, attends, fais voir un peu ce que ça change. Ouf. C'est un peu violent quand même. Hein. Tu sais pas trop ce qui se passe pendant ce temps-là. Ah, elle a changé de couleur de cheveux, j'ai l'impression. Ils sont plus clairs, non? Quelque chose comme ça. La journée est finie. Ça, c'est cool. On va aller manger. Alors, ceci étant fait, on va pouvoir terminer vite la journée en creusant des trucs. Tu vas pas en creuser beaucoup, mais bon. Ça peut t'apporter quelques centaines en plus. C'est toujours ça de prix. Ouais, ce sera la dernière. Attention. 2890. On va ouvrir ces deux-là. Ouvrir, ouvrir. Comme ça, c'est fait. La Ripley, en attendant. On va prendre une douche. Faut faire les devoirs. Voilà. Toi, du coup. Angela, qu'est-ce qu'elle veut? Le rancard était cool. Ah bah, c'est bien. Je suis contente pour toi. Est-ce que t'as besoin de récolter des trucs? Non, tu l'as fait ce matin. Hein, on est d'accord. Social. On va appeler Nalani. Je suis désolée, son rire c'est toujours le même, mais ça me bute à chaque fois. Il est incroyable. Et donc ils sont longs tes devoirs. Désherber, faire évoluer, ça fait même pas de pétouille, ça n'a aucun sens. Ah, arroser, faire évoluer, ça montre le divertissement, c'est bien. Toi, tu vas pouvoir lui faire passer du coup du persil pour fertiliser des trucs, et les champis aussi. Ensuite, on va pouvoir vendre ça. 587 en plus, on est actuellement à 133 000. Oh, encore une idée. Il n'y en a plus besoin, mais il en a vachement souvent. C'est 22h, t'es pas encore très fatigué. Est-ce que tu peux nous faire une petite toile? Il a déjà fini sa nuit, tout récolté. Et après, du coup, tu vas finir ton tricot. Ok, il est blasé, on va peut-être arrêter de le faire tricoter pour maintenant. Mettre en vente. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Ah, mais Rip... quoi? C'est Angela qui m'appelle pour un problème avec Ripley au lycée, alors que Angela, elle bosse avec moi au labo. Ma foi. Alors, analyser un échantillon d'ADN. Ah, bah enfin, il n'y a pas besoin d'en prélever, hein. Provoquer l'heure du déjeuner pour trois collègues en contrôlant leur esprit. Oh, ils ont... Oh, oh, oh. Ils ont reformulé. Au lieu de dire rendez trois collègues affamés, provoquer l'heure du déjeuner pour trois collègues en contrôlant leur esprit. Messieurs, dames. Préparer un sérum aura extraterrestre. Métal extraterrestre, cristal extraterrestre. Ah, faut aller chez eux. Ah ouais, bah d'accord. Transformer l'apparence d'un collègue. Alors, qu'est-ce que ça va te changer? Il a pas de barbe, un nez qui pointe, il est blond, les yeux bleu-vert. Ah! Ah oui, ça l'a beaucoup changé! Il a changé la couleur de peau, mais aussi il a une barbe maintenant. Ou alors il en avait une, sauf que
Vu qu'elle était très blonde, ça se confondait dans son visage? Je sais pas. C'est marrant, ouais, quand il parlait de transformer dans l'épisode d'avant, j'ai vraiment bugué du cerveau, je comprenais pas. Hein. Ordonner à une collègue de faire une expérience. Allez, travailler sur une fusée, ça c'est possible, c'est bien. En dessous de la moyenne. Ah merde, j'ai oublié. Quoi? Les examens, c'est pas que le vendredi? Je comprends pas tout. Mais bah du coup, je vais la faire réviser. Alors, qu'est-ce que ça va changer sur Angela? À chaque fois, ils sont là genre... Non, non, s'il te plaît! Oh! Ta-ra-ta-ta! Inventer quelque chose. Allez, c'est la dernière action de la journée. Ok, ça c'est bon. Ce qui fait qu'il va pouvoir aller manger du coup. Ah, je vous informe que mes tentatives d'inventer quelque chose ont échoué. Ok, on est à 136 000. Est-ce que t'as besoin de t'occuper du jardin? Tout arrosé, oui. Et parfaitement préparé pour le prochain examen. Ok, non, non, ça c'est bon du coup. Alors, niveau 5 déjà. On va faire des spaghettis. On va tricoter le grand machin là. Parce que du coup, niveau... bénéfice, c'est pas mal, parce que la dernière fois, on avait donc, on a payé 335 pour le créer. Il a été revendu 1300 et quelques, quand même. C'est pas mal. Bon, par contre, elle a pas du tout le temps de peindre, la pauvre. Elle va vite te coucher, ça va être une catastrophe pour toi demain. Zephyr a reçu une amende conformément au plan d'action économie d'eau. Trop d'eau a été consommée cette semaine. Le foyer recevra une amende quotidienne jusqu'à qu'il contrôle son utilisation d'eau. Ah merde, on est sur nos réserves. Oh fuck les plans d'action, hein. Vous cassez les rouignoles. C'est bon. Ah bah si, il y a les deux. Économie d'eau et économie d'électricité. Laissez-nous tranquille, on n'est pas là pour ça. M'en fous. Inventer la génératrice de... Non mais c'est une vanne. Tu te fous de mon gueule. Donc hier ou avant-hier, j'ai dû améliorer la génératrice à trous de verre. Alors que techniquement, j'avais pas pu encore l'inventer. Le jeu m'a demandé de l'améliorer. Donc là, je la crée, puis je l'améliore. Et là, il me demande de l'inventer. Et bah tant pis, on l'inventera pas. Hein. Transformer l'apparence d'un collègue. Ah, attendez, si j'utilise le rayon sim et que je transforme, est-ce que ça valide aussi le rayon sim? Parce que techniquement, je l'utilise. Vas-y, essaye. Ah oui, 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 en effet. Se cloner, alors non. Par contre, on peut terminer ça. On va la faire nettoyer. Donner de la nourriture synthétique à un sim. Oh là là, ça va être compliqué la journée, là. J'en ai de la nourriture synthétique? Oui. Bah on va essayer. Je pense qu'on va me dire non, mais bon. Putain, ils disent oui, mais c'est quoi ça? Faire des abdos après avoir bu un sérum dynamique. Ah ouais, mais ça, du coup, je peux pas faire. C'est con, je pourrais pas valider le deuxième palier. Parce qu'il me semble pas pouvoir faire un truc dynamique. Ça, c'est quoi? Miracle. Il manque une fraise. Ah bah, fraise. Je crois pas qu'on ait, hein. Ah, fraisier. Arrosé. Bah, ouais, mais j'ai pas de fraise aujourd'hui. Tant pis. On va aller creuser, ça rentabilisera les sous. Alors, du coup, ça lui fait perdre beaucoup. Ah ouais, quand même. On passe de 2500 à 1700. Tant pis, on va se refaire avec les cailloux. Tu vas faire quoi? Dormir? Non, 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 pas déjà. Non, non, du tout. Bien arrosé. Elle est folle, elle. Ah, faire évoluer. Ah oui, mais ça, j'ai pas fertilisé, faut que je le fasse. Faire évoluer. Et on va pouvoir vendre les pièces d'amélioration, on s'en fout. 670. Ah, c'est moins que ce que je pensais, quand même. On gagnait plus fut un temps, je dois dire. Déjà presque 22 heures. C'est tellement long, les devoirs, en ce moment, je trouve. Tu as envoyé 2-3 SMS et puis on va aller dormir. Et hier, on n'a pas ouvert notre cadeau. C'était mardi hier. Ouvrir un cadeau. C'est mercredi aujourd'hui, tant pis. Murcha fan de jazz. Ah, ça, je crois que c'est une peinture qui vaut cher. Bah, toi aussi, ouvre un cadeau. Un hopper. Ah, 20. Ok, alors du coup, c'est quoi? 1455. C'est bien, ça. On est à 139 000. Plus 10K, c'est ça. En un live, on a fait 10K. C'est pas énorme, on va pas se mentir. Passez une très bonne semaine. Bon courage pour le boulot. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée ou une bonne nuit. Et je vous fais des gros bisous.